magnifique pouvoir de revenir où tout s'est commencé, non, on peut dire, parce que moi je me nais en Płock. Alors c'était incroyable, les supporters ils ont envoyé des messages avant si je veux venir parce que c'était pas clair. Parce que c'était le premier match après de la blessure, bien sûr. Moi, je veux dire que je ne peux pas rater ce voyage, même si je vais être obligé de juste voyager et pas jouer. J'étais prêt. Quand la saison ça commençait, on a savé qu'on va jouer ensemble dans la groupe. J'ai déjà dit à moi-même, le match aller-retour, ça va être intéressant. Et je ne peux pas attendre pour jouer ce match. Je voudrais dire un grand merci parce que je pense que ça a toujours fait plaisir voir les supporters et écouter quand ils commencent à chanter que toi, tu viens de la même famille que eux, parce que c'est ça qu'ils ont chanté exactement. Et ils ont commencé à dire aussi que je vais avoir toujours les places dans l'équipe de Płock. Alors c'était vraiment... la sensation fantastique. Quand on a commencé le match, on a déjà savé que ça ne va pas être facile parce qu'on a savé que le pavillon ça va être plein avec une grosse ambiance et c'était comme ça bien sûr. Mais je pense qu'on a très bien contrôlé le match desde la première minute jusqu'à bout. Comme tout le match, c'était important de gagner. Et enfin, on a le fait, on peut dire, sans problème. L'effort de toute l'équipe, il était quelqu'un joueur comme moi, par exemple, qu'ils ont revenu après quelques temps d'absence. Alors, c'était important pour jouer un très bel match. Il faut continuer comme ça. On a perdu contre Vechpion là-bas. Alors, il y a des choses à améliorer en plus. Mais moi, je cherche aussi les petits trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rester plus ensemble comme l'équipe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir gagner ce match? Et personnellement aussi, j'essaie de chercher les Camille Sipchak qui était avant de la blessure. Toujours quand on joue à la maison, je suis vraiment fier de notre supporter. On essaie de dire merci toujours pour notre supporter. Quand le match s'est fini, on va toujours, on passe les petites 5 minutes avec eux. Ça fait vraiment plaisir. Moi, personnellement, j'adore ça. Moi, je dis toujours avec beaucoup de respect qu'est-ce qu'il fait pour nous. Mais je dis toujours, sans eux, peut-être on ne va pas pouvoir jouer comme ça.